à propos des états d'agrégation de la matière. Tous les corps sont constitués de particules comme molécules, atomes, ions, que nous modélisons ici par des petites sphères. Les trois états d'agrégation solide, liquide et gazeux se distinguent par le mouvement des particules du corps. On peut s'imaginer cela comme ceci. Voici les particules d'un solide qui ont très peu de place pour bouger. Pour maintenir un solide, il suffit d'un support fixe. Voici les particules d'un liquide qui bougent beaucoup plus. Pour maintenir un liquide, il suffit d'avoir un récipient qui n'a pas nécessairement besoin d'un couvercle. Voici les particules d'un gaz. Elles bougent beaucoup plus et pour maintenir un gaz, il faut nécessairement un récipient à couvercle parce que ces particules d'un gaz utilisent tout l'espace à leur disposition pour bouger. Donc, nous distinguons les trois états d'agrégation comme ceci, solide, liquide et gaz. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Le passage de liquide à solide s'appelle la solidification et le passage de solide à gaz s'appelle la sublimation. Le passage de gaz à solide s'appelle resublimation. Le passage de solide à liquide s'appelle la fusion et le passage de liquide à gaz s'appelle la vaporisation.